Oh, pas en deux mois, tu j'aime cette assurance, ouais, tu vois, c'est calme, manga, c'est posé, c'est... Voilà, après, voilà, je vais pas donner de pourcentage, mais clairement, je suis pas à zéro. Oh là là, je suis pas à zéro, mais c'est le début du film. Oh, il arrive tel un patron ici. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, bonsoir à tous. Salut, c'est un plaisir de t'avoir. Alors si jamais vous ne connaissez pas MVL, bon, vous ne devez pas beaucoup suivre les échecs, on va faire un petit, quand même un petit récapitulatif. Donc toi, tu as 30 ans, tu as commencé donc les échecs à 5 ans, tu deviens grand maître international, donc grand master à 14, ouais. Plutôt très propre, champion du monde junior en 2009, triple champion de France, tu as été numéro 2 mondial en 2017-2019, à l'heure actuelle, tu es 5e, meilleur joueur français. Ça va, toi? Ça se passe? Ça se passe bien, écoute. Non, honnêtement, c'est impressionnant. On a beaucoup de chance, justement, d'avoir un joueur de ton calibre qui représente la France dans le monde des échecs. Du coup, on a quelques questions. Le boss, ah ouais, il y a des gens qui découvrent. Moi, on m'a dit, t'es une légende. Hein. En vrai, quand je l'ai annoncé, moi, on se connaissait pas. Et vraiment, on m'a dit, ah ouais, tu vas le rencontrer, c'est trop bien. C'est le boss. Ouais, bah après, il y a le chemin à parcourir, il y a le chemin à parcourir encore. Il en reste encore un peu. Il faut aller chercher la place de Magnus Carlsen. On va en discuter aussi. Déjà, c'est quoi ton tout premier souvenir? T'as commencé à 5 ans justement les échecs. C'est quoi le premier souvenir d'échec? Le tout premier en fait, c'est quand mon père m'avait appris les règles. Donc à Noël, on a eu un échiquier électronique et là j'ai commencé à faire des parties. Alors au début, c'était un petit ordinateur de base, donc il y avait les petits niveaux par case. Ok. Donc la toute première partie, je l'ai perdue. Donc je perds la première partie et puis ensuite, à chaque fois en fait que je gagne une partie, je montais de niveau et donc j'ai commencé à monter de niveau comme ça. T'as accroché les 24 jours suivants quoi. Okay. Mais en fait, pendant que ma sœur, elle a gagné le premier niveau tout de suite, et ensuite elle a un peu plus souffert, enfin, je crois, quelque chose comme ça. Petit à petit, et ensuite, je suis allé en club, jouer les tournois et tout. Quoi. Okay. C'est là que ça commence à être vraiment intense quand tu joues les tournois. Sard le sait mieux. C'est intense, ça. Ce soir, juste après, on va en parler aussi, mais ça, tu participes à un tournoi entre streamers internationaux. Il a un match 45 minutes, une heure après la fin de Popcorn de ce soir. Donc, il est là pour du conseil. À quel moment... t'as su justement que ça pouvait être au-delà d'un hobby. Donc, t'es quand même grand maître international à 14 ans, en parallèle de tes études. Quel moment tu t'es dit, OK, j'ai envie de vivre des échecs? Bon, ça a été progressif, en fait. Je me suis toujours dit que si j'en ai l'opportunité, je vais essayer d'en vivre. Ça, c'était clair dans ma tête, même quand j'étais jeune. Quoi. Dès le début, ouais. Quand tu sens que t'es au niveau, on va dire, des meilleurs joueurs de ton âge, tu te dis que tu as peut-être une carte à jouer. Du coup, comme c'est quelque chose qui me plaisait à fond, je vivais l'aventure à fond. Après, je savais aussi que c'était important de garder une structure sociale, on va dire, équilibrée en continuant les études en parallèle. Donc, j'ai continué jusqu'à une licence de maths. Ouais. Mais on va dire que je savais déjà que c'était une licence, on va dire, de roue de secours. Tu continues les études pour te mettre bien si jamais, quoi. C'est une licence de roue de secours, même si après j'aimais bien les maths et tout, et j'aime toujours bien les maths. mais voilà, et donc on va dire 16-17 ans, je suis à peu près rentré dans le top 100 mondial à ce moment-là, et là je savais que je tenterais l'aventure. Après, encore une fois, voilà, top 100 mondial, clairement si j'avais pas percé, on va dire, top 10 mondial, sans doute qu'au bout d'un moment j'aurais... Ouais. Ça serait resté un hobby plus, justement, une grande passion, mais pas que ça, quoi. Voilà. Alors que là, c'est la lutte. Hein. Là, on va en parler après. Il y a un vrai potentiel d'aller chercher la première place, de devenir peut-être champion du monde, mais pas trop de pression. Déjà, pour les gens qui connaissent pas vraiment, ça représente... c'est quoi, une journée de... J'ai vraiment l'impression d'être le journaliste de base qui interviewe le joueur e-sport, mais il y a 5 ans. Mais c'est quoi la journée un peu type entraînement d'un joueur d'échecs? Tu t'entraînes combien d'heures? Ouais, mais là, ça dépend. Ouais. En fait, il y a trois types de journées. Il y a les journées de compétition, où là, l'entraînement, ça va être le matin pour ça, vraiment se mettre en condition pour arriver à la partie. C'est après 1h30, 2h. Et donc, il y a la partie en elle-même qui dure 4-5 heures. Puis après, il y a évidemment mon coach et puis toute mon équipe aussi qui travaille la nuit pour me... trouver ce que je vais jouer, etc. le lendemain. La préparation de chaque match, c'est primordial. C'est super intense, ça. Puis après, il y a les prépas d'avant-tournoi, donc ils se font avec notamment Étienne. Le coach. Voilà, le coach. Baki. Surtout là, il m'a annoncé que ça allait être travaux forcés pour les candidats.
Ouais. Quand est-il de la diète d'ailleurs? Donc ça va être du 6-8 heures par jour, quoi. Ok, ouais, là va falloir charbonner parce que c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre en fait de l'extérieur les différentes, pas catégories, mais c'est vrai que les différents tournois, etc. J'ai appelé juste avant Blitzstream pour qu'il me réexplique un peu. Donc il y a les candidats. Les candidats, c'est donc 8 joueurs qui sont sélectionnés par des tournois de qualif, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Qui te permettent, en gros, donc tous les 2 ans, de potentiellement, si tu réussis à sortir, donc à être le premier des candidats, d'aller affronter le champion du monde, qui est donc Magnus Carlsen, qui est bien installé en plus, hein. Le Magnus, lui, ça bouge pas trop, et de pouvoir donc en novembre tenter donc le BO14, 14 parties contre le champion du monde. On voit l'affiche. On va en parler parce que t'es plutôt très bien d'ailleurs dans ces candidats. Ouais. Mais c'est vrai que juste avant, il y a aussi, moi je m'étais demandé parce que récemment là, donc en janvier, il y avait donc le Tata Chess, qui est aussi un tournoi historique des échecs. Là, c'est plus un impact sur l'Elo, donc le classement. Ce qui reste très important en fait. Ouais. Voilà, parce que ça, voilà, avoir un classement Elo au minimum dans le top 10 mondial, ça te donne accès à des invitations régulières. Et puis bon, évidemment, pouvoir se battre pour la première place, c'est cool. Bon, le dernier tournoi s'est mal passé, mais de manière générale... C'est pour ça, je pense que là, le coach, il le reprend. Là, c'est 8 heures par jour, je peux te dire que ça va serrer la vis. Le max, ça rigole plus. Mais c'est vrai quoi, il y a ces deux trucs-là que moi, personnellement, je suis quand même... pas mal les échecs, pas tant que ça non plus, mais j'avais pas exactement compris. On a une petite question de la part de quelqu'un que la scène échec française connaît très bien, c'est Kev. Bonsoir tout le monde, bonsoir Maxime, c'est Kev. J'aurais une petite question pour toi pour le popcorn de ce soir. J'aurais aimé savoir comment est-ce que tu gères la pression pour les grands événements comme les candidats qui vont reprendre le 19 avril, que ce soit pendant les parties à fort enjeu ou bien même en amont pendant ta préparation, parce que je sais que ça met beaucoup de pression d'avoir une grande échéance qui arrive. Et aussi, si tu pouvais en profiter au passage pour donner quelques petits conseils à Sardoche pour le PogChamp, ça pourrait éviter des inondations dans Paris. Merci. Le Blitz, le frérot qui justement pose une question. Premier truc, quoi, justement, la pression. Surtout que là, du coup, tu sors d'un moment, on va pas se le cacher, un peu compliqué. Ouais. T'es passé à côté de ton tournoi en janvier, Tata Chess. Est-ce que... moyen à côté, t'as été déçu de toi Ah bah clairement, mais en fait ce qui se passe c'est que toute l'expérience que j'engrange depuis 25 ans, ouais. Que ce soit les déceptions que j'ai eues quand j'étais gosse à 7-8 ans, en fait ça faut... C'est, ça presque, forge, plus quoi. C'est presque plus compliqué quand t'as 7-8 ans, de tu fou. Vois, tu découvres, à la limite tu vois, je gagne mes tournois et puis à un moment j'arrête d'en gagner et je fais un mauvais tournoi et c'est là que c'est compliqué de se remobiliser, donc c'est quelque chose en fait que t'acquiers avec l'expérience déjà, okay. Ça c'est clair. Après voilà, gérer la pression en tournoi, bon bah pareil en fait, moi ce que j'aime bien me faire c'est me créer une petite routine en tournoi, notamment aux candidats, enfin la première partie des candidats, mais je compte le refaire pour la deuxième. C'est tu te crées une routine de journée et donc voilà, t'as une partie détente évidemment. Petit jacuzzi, tranquille. Le petit jacuzzi en fin de soirée. Voilà, mais tu rigoles, mais oui, enfin, tu te fais un bain après la partie, par exemple, c'est idéal pour... Il faut décompresser, hein, parce que c'est tellement de réflexion, tellement de charge au cerveau qu'il faut pouvoir chill. Quoi. Donc on m'a conseillé de prendre un bain après chaque partie, voilà. sinon, donc voilà, de garder des repères et voilà, d'évacuer la pression du tournoi. Sans non plus la faire disparaître, parce que c'est bien d'arriver avec tu dois rester dans le truc, voilà. Faut la niaque. Voilà, parce que ça, il y a une petite anecdote, c'est dans les années 80, ils avaient testé des joueurs d'échecs en leur faisant prendre des bêta bloquants avant la partie pour les faire déstresser, et en fait, ils jouaient moins bien. Parce que... Ah ouais, ok, ouais, donc faut avoir le bon niveau de pression au cerveau. Ouais. Mais c'est vrai que ça on se rend pas hyper compte, mais y a toujours ce mythe du joueur d'échecs qui joue 20 parties d'échecs, les yeux fermés, de dos, machin, le gars, tout dans la tête. Mais tu nous en parlais en live justement la dernière fois, c'est tellement d'efforts mentaux que c'est limite dangereux en fait pour le cerveau justement d'arriver à ce niveau-là, quoi. Ça sert à rien. Dangereux, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je considère qu'évidemment, être fort aux échecs, c'est être intelligent aux échecs, entre guillemets, mais ça ne dit pas que tu es intelligent dans tous les domaines, que tu as la science infuse, pas du tout. Pour revenir justement sur les candidats, parce que c'est vrai que toi, du coup, tu étais très très bien, donc je reprécise, 8 joueurs, vous jouez tous donc aller-retour, double aller-retour, je crois même. Non, de aller-retour, donc okay, aller-retour. Tous. Et donc là, toi, à l'heure actuelle, tu es premier ex aequo.
Sachant qu'il n'y a pas d'éliminé aux échecs, vous jouez tous, justement, jusqu'à la fin des... Les 14 parties. La fin des parties. Donc là, il t'en reste combien de parties? 7. On a fait les 7 premières. T'es pile à la moitié? Je suis pile à la moitié. Et t'es premier. Tes premiers ex aequo, ouais. 14 avril, si jamais tu réussis 19. À être... 19 avril, pardon, si jamais tu réussis à être premier jusqu'à la fin, c'est en novembre contre c'est Magnus. C'est en novembre contre Magnus, ouais, bah, c'est clair que c'est le gros objectif. Donc là, les 2 mois de préparation qui vont suivre sont consacrés à ça, à cet objectif, et uniquement cet objectif. Oh, on a beaucoup de chance, hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais d'avoir... Moi, j'ai une question de noob. Je suis français à ce niveau. Mais vas-y, moi, je suis vraiment je connais aucune règle vraiment des échecs. Est-ce que tu as vu le jeu de la dame, la série? Ouais, bien sûr. Et moi, j'ai l'impression que ça a donné envie à beaucoup de gens de se mettre aux échecs. Et clairement, ça, c'est une grosse chance qu'on a eue, hein, dans le monde des échecs, sur tous les niveaux, niveau francophone, niveau international, clairement. Ça me fait trop plaisir que tu sois là, parce que c'est vrai qu'on te suit, bah, notamment avec Blitzstream, qu'on a vu, qui lui aussi, hein, est un acteur, l'acteur majoritaire, même en France, hein, parce que sur sa chaîne YouTube, il y a des tutos pour apprendre, des trucs pour joueurs plus expérimentés. Le boom suite à Queen's Gambit, ça a aussi mené, bah, sur Twitch, un énorme développement. Maintenant, là, quasiment toutes tes parties, bah, y a donc du coup Blitzstream qui les commente. Il y a à chaque fois 15, 20 000 viewers. Ouais, c'est assez fou. Hein. Ça, c'est assez nouveau par rapport à avant. Donc, ouais, et encore, autant de gens. Kev, c'était une assez grosse chaîne francophone. Donc, il tournait, je ne sais pas, 1000 viewers. Enfin, il le sait mieux que moi. Hein, mais voilà. Mais donc, voilà, bah, je trouvais ça déjà cool. Et puis, bon, j'aimais bien l'ambiance de la chaîne. Donc, du coup, j'avais des petites collabs avec lui. Et c'est vrai que là, en plus, il a upgrade de fou. Et puis, du coup, ça fait super plaisir pour lui. Et ça fait super plaisir de voir autant de monde qui suit Kev et qui me suit moi aussi. Ouais, qui sont à fond, hein, à chaque fois. Ouais, ouais, pour les candidats, s'il n'y a pas 50 000 joueurs. Hein. Non, mais je visite, hein, je fais des petites visites de temps en temps. Ça, je vois ça bien se balade. Que c'est, ouais. Je me demandais, parce que j'ai vu Kev en parler, et c'était hyper intéressant par rapport aux nouveaux viewers aussi, parce que c'est vrai que les échecs, c'est quand même très long. Je vais te dire des bêtises sur le Tata Chess ou même les candidats sur exactement le temps. Il faut savoir qu'en fait, il y a un temps de base, et ensuite, donc, au 40e coup, il y a un temps qui est rajouté, au 60e coup, parfois rajouté aussi. Ce qui fait que les parties, même Tata Chess, ont pu durer parfois limite des 5-6 heures, quoi, j'ai l'impression. Ouais, même 7 heures au max, en gros. Donc, ouais, mes parties plus longues, c'était 7 heures. J'imagine que pour vous, c'est dur en tant que joueur d'échecs, mais c'est dans la légende, dans le mythe un peu du joueur d'échecs, de faire des parties très longues. Mais c'est vrai qu'à suivre, faut s'accrocher. T'en penses quoi, toi? Est-ce que t'aimerais que ça soit un peu raccourci aussi en tant que joueur? En fait, je pense qu'il y a de la place pour tous les formats. Okay. C'est bien d'avoir ces formats de parties longues. Après, clairement, pour les viewers, enfin... C'est dur, les 7 heures, les voilà. 7 heures avec 1h30 de c'est réflexion... Pas la peine. C'est pas la peine. Et puis, en plus, t'as des moments où, par exemple, moi, je vais réfléchir, et pourtant, je suis pas celui qui réfléchit le plus dans le circuit, mais je vais passer une demi-heure sur une position. Bon courage, si t'es viewers, il y a une demi-heure, il se passe rien. Alors, Kev, il meuf très bien, mais quand même... Et est-ce que dans les entraînements... Alors, la seule rêve que j'ai, c'est le jeu de la dame. Ouais, mais dis pas, il y a beaucoup de gens aussi qui sont casus des échecs. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est il y a des séquences où, en fait, ils s'entraînent en simultané, c'est-à-dire qu'une personne va affronter 5-6 personnes en même temps. Et même tu passes plus. D'un jeu, il y a un moment plus, et tu passes comme ça. Est-ce que ça existe vraiment ou c'est un peu pour le show? Ça existe, mais c'est pas des entraînements, en fait. C'est plus catégorie des exhibitions. Ok. Voilà. Donc, et en fait, c'est souvent, en fait, il y avait une certaine sacralisation de ça, notamment dans les années 50-60, avec le champion soviétique qui arrive, qui joue contre ses 20 adversaires, qui fait le tour des tables et tout. Ça fait performance. Mais j'en ai fait aussi, ouais, ça fait un peu performance, en fait. C'est. Quand tu le sais de l'inside, c'est pas du tout impressionnant. Oui, mais ça fait plaisir pour les gens. Voilà, c'est très facile. C'est très facile comme exercice. Mais parce que t'es obligé de te remettre dans chaque partie à chaque fois. Ça, non, ça c'est pas facile. Ça, c'est un truc pas facile. Mais par contre, quand même, par exemple, un exercice qui est pas facile, c'est de faire la simultanée à plusieurs parce que t'as d'autres joueurs que toi qui vont jouer les coups et en fait, tu te bases sur les coups que t'as joués précédemment pour avoir tes instincts et répondre très vite. Donc du coup, quand c'est pas toi qui a mené complètement la partie, parfois c'est plus dur. Mais quand t'as mené complètement la partie, en fait, bah, tu t'arrives, tu vois la pause, tu joues ton coup. Et puis, ouais, voilà. t'as ton plan à chaque fois, quoi. Voilà. En fait, c'est vrai que c'est une des grosses différences. En fait, à mon niveau, j'arrive devant une position, j'ai instantanément 2-3 coups candidats qui me viennent à l'esprit. Alors c'est pas forcément les bons coups, mais du coup, je peux
toute position, je peux donner un coup en speed. Quoi. Ouais, le voir. Il y a un truc qui est assez incroyable. Je ne sais pas s'il est vrai, mais KW Illustrator. J'ai été au collège et au lycée avec MVL. Je ne savais pas du tout ce qu'il était devenu. Je découvre aujourd'hui tout le chemin qu'il a parcouru. Un énorme GG à lui. C'est beau de s'être accroché à sa passion ouais, de cette mais façon. Je confirme que je le connais. Oh, c'est incroyable. Bah, c'est, oui. C'est trop stylé. Et il est là. On n'est pas chez Bataille et Fontaine. non, mais c'est vrai que c'est très très fou quand même. Ce moment-là. Bah écoute, Max, on espère que. Enfin, déjà, c'est vrai que niveau échec ce soir. Oui, parce que là, il n'y a pas encore eu les conseils à Sard. Oh là là. Je les ai eu un peu. T'en penses quoi du poulain pour l'instant là? Est-ce qu'il peut prendre le titre international ou pas? Titre international, monsieur. Il faut, mais après, voilà, il doit assumer son statut de favori. C'est ça le problème. C'est ça. Et il s'en fait tout un pataquès alors qu'il devrait juste arriver, jouer vite, jouer bien, jouer un coup, gagner une partie. Ce soir, c'est contre TSM Miss, ouais. Du coup, ancien gros streamer Fortnite, américain, c'est France, États-Unis, ça, tu représentes plus que... J'aime trop, tu vois, j'ai limite un peu de... Il est bon, le mec. Bah, il joue un peu, ouais. Il joue pas trop mal, je crois. J'ai pas trop vu. Mais bon, ça doit aller, je pense. Ah, mais là, l'entraînement puzzle... jusqu'à 3 minutes avant l'émission, il avait le téléphone. Mais oui, il faut le dire. Ouais, il faut dire les choses. Après ça, qu'il a un match après ou pas, c'est la même. Hein. Ouais. c'est assez régulier, ce genre de choses. On a un deuxième tweet. Comment a-t-on les infos des jours de match? En fait, souvent, Kev les annonce, etc. Ouais, c'est ça. Ou alors. Il a le droit de suivre à chaque fois tes parties. Oui, bien sûr. Okay. Bah, alors après, il a en fait tous les coups, il a le droit de les donner. Ok. Donc, s'il n'a pas accès, forcément, parfois il n'a pas toujours accès aux caméras. Ouais. Voilà, ça peut être exclusif. J'avais vu qu'à Tata c'était un peu compliqué. Ouais, voilà. Mais sinon, c'est bien d'avoir les caméras, tu vois, t'as les expressions des joueurs. Bah ouais, tu vois, on même voyait, si ça j'en, balade, j'en donne ça pas se trop. Lève, Je me lève, mais je donne pas trop d'infos. Ouais, ouais. Pardon, il y a une question très intéressante de David Godu, qui est un athlète cycliste petite pépite. On réunit que de la pépite ici. C'est un mélange de pépites qui demande justement s'il y a un régime sur la nourriture, aussi peut-être sportif. Tu parlais de cette hygiène de vie. Ouais, quand même moins. Oui. Voilà, hein, c'est clair. Il y a plus d'opportunités de se faire plaisir. Mais il y a du d'ailleurs, bruit c'était, hein, c'est, non, mais c'est terrible, j'ai raté le festin. Comment ça, j'ai raté? Mais jette-toi sur le... Il y a des restes intéressants encore. Ouais. Mais donc, par contre, il y a quand même une hygiène de vie à maintenir pour arriver en forme physique. Donc, évidemment, la nutrition joue un rôle dessus. Ok, forcément, il y a un impact aussi. Bah, écoute, après, il n'y a pas une masse musculaire. Masse graisse, ouais, non, c'est plus garder un équilibre, j'imagine, voilà. Pour que le corps se sente bien et le cerveau. J'ai une question, je suis désolé, je vais regretter si je la pose pas. Mais vas-y, oula. Mais elle est nulle, hein. C'est... Oulala. Moi, je suis très casu aussi. Merci. Mais vas-y, dis pas. Les deux nuls. Comment on rock? Et en plus, j'ai même pas vu Queen's Gambit. Je me demandais, quand on joue aux échecs à ton niveau, est-ce qu'on est capable de jouer à tous les jeux de ce type? Comme le shogi ou comme, tu vois, les jeux... J'ai appris le shogi, ouais. Donc, du coup. Après, bizarrement, en fait, les joueurs de shogi arrivent très vite à un niveau très élevé aux échecs, les meilleurs joueurs de shogi. Ah, ouais, ils étaient quasiment au niveau maître international, okay. Dès leur tout premier tournoi. Ah d'accord. Ah, propre. Parce qu'en fait, le shogi demande énormément de calculs. Et donc, du coup, ce qui nous manque aux échecs, en fait, je suis considéré comme un très, très bon calculateur aux échecs. Le meilleur. Top 2 monde minimum. Voilà. Mais, ouais. Non, vraiment. Mais les joueurs de shogi sont monstrueux en calcul. Et du coup, les calculs en shogi sont beaucoup plus difficiles parce que, en fait, tu parachutes des pièces sur l'échiquier et ça augmente la complexité énormément. Après, par exemple, le Go, j'ai jamais trop, go, quoi, voilà, ouais. J'ai jamais trop joué au Go, mais c'est clair que je pourrais apprendre les règles, tout ça, mais... je pourrais être que joueur casual, quoi. Ouais. Enfin, ensuite... casual, amateur éclairé, oui. Quoi. Mais bon, jamais passé pro. Oui, parce que je connais le jeu de Go, le shogi, je connaissais pas. On a peut-être une petite image pour c'est rendre... sympa en plus avec le plateau traditionnel japonais et tout. Ok. Mais ça, c'est pas. C'est pas le shogi. Si. Bon. J'avoue que je connaissais. C'est bon, parce qu'il y a aussi le Chianqi, là, les échecs chinois. Ça me faisait un peu penser à ça. Petite variante. Petite variante. Voilà. Max, 19 avril, du coup, j'ai noté yes. La date. Les candidats, t'es pour l'instant en tête à égalité. On espère que ça va continuer. Et Magnus, tu penses que ça peut être l'année où il flanche? En grande forme, là, Magnus. Magnus, il fait toujours peur? Non, bah, c'est clairement le meilleur joueur. Après. Sur mes affrontements récents, notamment sur des matchs assez longs, j'ai réussi à le déstabiliser, même parfois à le battre. Après, ce sera un format complètement différent, mais clairement, je sens qu'il y a une possibilité. Après, bon, faut gagner les candidats, faut gagner le match.
voilà, c'est pas une mince affaire, mais bon, c'est ça, c'est mon boulot et celui de mon coach Étienne. En 2 mois, mais j'aime cette assurance, tu vois, c'est calme, c'est posé, c'est voilà. Après, voilà, je vais pas donner de pourcentage, mais clairement, je suis pas à zéro. Oh là là, je suis pas à zéro, mais c'est le début du film. C'est le début du film. On le lance avec ça.